Ils sont nombreux à vivre contre leur gré ici au camp de Kalambari, situé à environ 4 km de la sous-préfecture de Kundul, suite au conflit survenu le 4 décembre dernier à Kosseri au Cameroun. Certains séparés de leur famille, d'autres sont traumatisés ou non accompagnés. Cet après-midi, ils retrouvent leur sourire grâce à la visite de la ministre de la Femme, Amina Priscille Longo, et les partenaires. Pour rendre l'après-midi de ces enfants agréable, le ministre de la Femme a officiellement inauguré le jardin d'enfants, un espace construit servant de cadre de divertissement et d'épanouissement pour cette couche vulnérable. L'accompagnement ou l'appui en période de crise n'est pas que sur des ressources vivrières, mais aussi un accompagnement psychosocial pour l'épanouissement des enfants. Le représentant de l'UNICEF, le président de la Croix-Rouge du Tchad, se sont relayés pour exprimer leur soutien et leur attachement à cette initiative qui vise à améliorer les conditions de vie de ces tout-petits. Séance tenante, des jouets ont été offerts aux tout-petits. D'autres projets relatifs au terrain de football et bien d'autres aires de distraction sont en vue.